Mais oui, il y en a une qui vient de se pondre, ma chérie. Tu voudrais les prendre de plus près? Et on en voit même un petit bout, là, on doit voir du côté de Brassempouille là-bas. Alors c'est ce que vous voyez ici, la cavalerie qui se trouvait rangée ici. La cavalerie française ou anglaise ? La cavalerie française se trouvait bon, le jour de la bataille, c'était prévu même la veille. C'était rangé sur le chemin qui est la rue de Manne, qui est en face, où on va passer tout à l'heure. Voilà, ça c'est la dernière maison, la première maison de d'Orthès et la dernière de Bonnut. Ici, la maison neuve là. C'est la mienne. Et on va, nous, on va se rendre alors, Orthès ou Bonnut à cette maison qui est à gauche. La grande maison claire à gauche. C'est chez Biesch. Donc ici, on est encore en Béarn. En vraie Béarn de jadis. Hein. Français ont voulu résister. Voilà. De l'autre côté, ici, très bien, que les troupes s'échelonnaient. Alors, la cavalerie était. Le gros de la cavalerie se trouvait sur la rue de Manne, qui est la prochaine crête. Hein. Et il y avait un détachement de. Randonnée n'est pas la bataille d'Orthès parce qu'il y a des dizaines de randonnées à faire pour la bataille d'Orthès. Elles ont été faites. Elles ont été faites en 2014 lors du bicentenaire. Aujourd'hui, on fait la bataille d'Orthès vue par les Bonnutiens. Alors les Bonnutiens, vous voyez, ils sont là. Ouais. Et toute cette crête est occupée par les Français. Au-delà du pylône à 600 mètres, se trouve le cœur de la défense de Saint-Bouès, la défense des Français, là où ils ont résisté jusqu'au bout et ils ne l'ont pas laissé passer. Bon, c'est un autre événement qui a fait qu'il a fallu décrocher à. Alors ça a commencé à 7h du matin, enfin à l'aube, et à 2h de l'après-midi déjà, il fallait décrocher. Alors c'est une bataille qui a été une bataille très violente, avec une grosse artillerie ici sur les crêtes. De l'artillerie étant là-bas à 600 mètres à Saint-Bouès. Et le poste de commandement du général Soult se trouvait dans cette maison qui est à 1 km, qui s'appelle la maison Laforie. Et son poste d'observation est à 200 mètres au-delà. Là où actuellement il y a un château d'eau, c'est le château d'eau qui correspond, qui n'existait pas à l'époque, qui correspond aux sources du Cazelopou, que finalement il a été refoulé par les Espagnols, aidés des Anglais,
et finalement des Portugais. Et alors en juin de l'année précédente, c'est-à-dire en 1813, les Français ont été battus en Espagne à Vitoria, ils ont subi une grande défaite. On leur a pris beaucoup de canons. Et pendant 8 mois, ils ont reflué, petit à petit, pas d'un coup. Ils se sont battus. Ils se sont battus à côté de Mouguères, parce que Mouguères, c'est sa commande de Bayonne. Et les canons qu'ils avaient perdus à Vitoria, il fallait qu'ils en récupèrent d'autres à Bayonne. Alors les Anglais le savaient, tout ça, donc c'est donc une série de petites batailles et de batailles plus violentes qui ont eu lieu. Et pendant ce recul, les Français qui connaissaient parfaitement la région d'Orthès, le pays d'Orthès, ils le connaissaient parce qu'il y avait une garnison. Étant donné que Orthès est... Alors, 200 km, bon, c'est le temps de la marche, tout ça. Bon, il s'est salé, c'était le plus court qui s'est passé de cantonner Orthès pour les sièges de Saragosse. Donc, pendant les cantonnements, les officiers ne restaient pas à rien faire. Ils ont relevé la topographie. Et du coin, tous les chemins, parce que c'était dans leur mission, hein, parce que bon, le commandement français avait déjà inscrit qu'il fallait, parce que les cartes de l'époque étaient très imprécises, la carte de Cassini, elle est complètement inutilisable ici, donc il fallait bien relever. Alors, il y avait des cavaliers qui faisait donc spécialisé dans les topographies et qui demandait aux autorités sur place où est-ce qu'il y a un chemin, est-ce que ce chemin est large, est-ce que ce chemin est utilisé, est-ce qu'on peut passer, en particulier est-ce qu'on peut passer avec des voitures, avec des canons. Et alors que pour vérifier ça, on prenait 2 soldats qui tenaient chacun d'un côté et de l'autre un fusil de l'époque, et là où les soldats passaient comme ça, les canons pouvaient passer, parce qu'un canon est suivi surtout de voitures pour porter ne serait-ce que les munitions. Et puisque d'ailleurs toute l'armée, il y avait 35 000 Français là, et un peu plus, 45 000 alliés, c'est-à-dire anglais, espagnols et portugais de l'autre côté. Donc ça faisait à peu près 80 000 personnes sur le terrain. On voit ce que ça représente. Que sur cette crête, il devait y avoir une soixantaine de canons. Et avec le monde qui va avec, les chargements, les machins, les chevaux pour les tirer, tout ce bazar, plus des fantassins. Bon, là, il y avait certainement de l'ordre de 10 000 hommes qui étaient le long jusqu'au cœur de Saint-Mouès, qui se trouve donc à 600 mètres de l'antenne. Ensuite, Soult, de là, a appris que les Anglais avaient réussi à passer le Gave à la Saligue, c'est-à-dire entre Castetis et Biron, donc de peur d'être tournés, parce que les Anglais, eux, ils étaient passés ils avaient réussi à passer le matin, ils avaient réussi à passer à Béreng. Avec des radeaux, tout, le Gave était haut, oui, parce qu'on était en février, fin février, alors c'était quand même pas facile. Et les Français, eux, ils ont défendu complètement le pont, le seul pont qui est dans la région, c'est le pont vieux,
sont dans l'enfilade, on voit les trous de balles. Bon, alors, à 2h de l'après-midi, c'est plié. L'ordre de repli. Alors, l'ordre de repli ne se fait pas comme ça. Hein. Il est prévu d'avance. C'est-à-dire, il y a un itinéraire de dégagement qui est fait pour toutes les unités. Toutes les unités savent par où elles doivent passer. Parce que le gros risque, c'est de s'embouteiller. Enfin, 35 000 personnes, avec toutes les charrettes, comme ça, ça peut facilement s'embouteiller. Déjà, nous, on voit très bien comment on s'embouteille maintenant. Avec 4 voitures. Et alors, s'embouteiller avec les poursuivants derrière, c'est une catastrophe. Donc, c'était prévu depuis longtemps que passerait, donc que ce chemin serait ici, serait employé le cas échéant par ceux de Saint-Bouest, mais ceux de Saint-Bouest, parce qu'un chemin ne suffit pas, il en faut plus d'autres. Ils ont pris tous les autres chemins, y compris le chemin de la carrière de Montargou et le chemin de Sainte-Marie. Hein. Là, tous les chemins, la côte de la Batte, tout ce qui existe, le pont des Trinquettes, tous ces chemins ont été mis à profit parce que, ils existaient, donc c'était partagé administrativement parfait. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. J'essaye de capter ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas été fait. Bon, il a été arrangé, bien sûr. Pardon, merci. Ça va trop lentement. Ouais. Okay. Oui. Enfin, globalement, c'est ce trajet-là. Ouais. Et qui continue de l'autre côté. Donc, la maison s'est mise juste sur ce chemin. L'église de Saint-Martin de Bonnet, qui avait fait le clocher de Sainte-Marie, là, et le clocher de Saint-Martin. Bien ici, exactement là, le clocher de Saint-Martin est exactement au nord géographique. D'aller un jour avec un GPS à la pierre Saint-Martin pour vérifier si j'avais la berlue. Alors, c'est peut-être pas intéressant, mais ça, les géographes de Napoléon le savaient. Enfin, ils n'avaient pas le GPS. Hein. Parce qu'entre-temps, au-delà de la pierre Saint-Martin, vous tomberez sur Saragosse. Hein. Oui. Vous passez légèrement dans la banlieue est de Saragosse, mais à 3 kilomètres, les Français étaient épuisés. Oui. Épuisés physiquement et épuisés à ravitaillement. Oui. Ce qui fait que, au soir de la bataille d'Orthès, on les a envoyés cantonnés dans des maisons de Salespice. Débrouillez-vous. Alors ils se sont débrouillés. Ce qui fait qu'il y a une liste à l'exposition de dégâts qu'ils ont fait, parce que
février, ils avaient besoin de se chauffer, non, pour faire la soupe, et puis aussi parce qu'un feu au bivouac, c'est toujours intéressant. Donc ils y ont mis des meubles dedans, des, et ils y ont mis aussi surtout des piquets de vigne. Ah oui, ça brûle bien. Ça brûle bien. Et alors, le lendemain, dans les jours qui suivent, il y a eu une série de plaintes qui ont été enregistrées, en particulier à Salespice. Deux dégâts qui ont été faits. Alors, on trouve donc d'abord les denrées. Hein, les gens, ils avaient beau cacher les pots de graisse et le machin dans la campagne, ben, ils finissaient par trouver, ils éventraient les armoires, comme c'était le cas à Bonut. Ils se servaient aussi en linge, ils se servaient tout ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas vraiment un pillage organisé. C'est-à-dire que le pillard, là, c'était le général Soult. Parce que c'est lui qui était responsable de ça. C'était une gabegie. Il n'avait pas du tout prévu leur... C'est-à-dire qu'il avait prévu, mais dans l'urgence, comme ça, les voitures n'arrivaient pas à l'heure, etc. Donc, de toute façon, et puis ils n'avaient pas grand-chose. Voilà. Tandis que Wellington, c'est-à-dire considéré par les Béarnais comme le libérateur, lui mettait un point d'honneur, il demandait, on lui donnait, il payait. Les Béarnais étaient ravis. Ravis. Ce qui est enregistré ici, par la différence d'altitude entre les zones planes qui sont... Ah, il y avait des zones qui avaient des... Bon, comme... Et si... Si on se met dans le coin là-bas, enfin, vous vous mettrez si vous voulez, on voit la Tourmancade et on voit même le bout du lac. Donc c'est un endroit de choix qui a été choisi exprès. Il a été choisi par les autorités locales, mais surtout par le, comment on peut appeler ça, celui qui a géré les affaires publiques était un Anglais, parce qu'Orthez était sous occupation anglaise. Je crois qu'il s'appelait Kennedy. C'est bien ça, hein. Kennedy. Donc, les morts étaient répandus sur le champ de bataille. Batcave dit enterré avec peu de soin, inhumé avec peu de soin. C'est vrai. Et alors, comme ils avaient peur de l'infection, ils avaient mis sur les cadavres du tanin. Le tanin, c'est de l'écorce de chêne pilée, hein, comme une farine. Ça a empêché, bon, alors tout ça. Et alors un jour, ils ont décidé de rassembler les corps. Donc ici, on peut dire que c'est un charnier. Sauf que ici, ce n'est pas comme les temps modernes, il n'est pas dissimulé. Il a été bien délimité. Et tout le monde savait qu'il était là. Et dans ce... on peut dire qu'il y a des centaines de cadavres. Il y en a qui parlent d'un millier, mais ça, on ne peut pas le dire. En tout cas, on peut estimer à la largeur du terrain combien on peut en mettre, etc. Bon, ça c'est... je crois qu'il faut dire des centaines, et puis ça y est. Il y a aussi quelques bestiaux, c'est des chevaux et des bêtes de somme. Ça a été fait dans le mois qui a suivi la bataille d'Orthez.
dans le mois qui a suivi, Orthez était sous occupation anglaise, mais au bon sens du terme pour les Orthésiens. Les Orthésiens étaient contents parce que bon, les guerres napoléoniennes, ils savaient que ça allait finir un jour. Hein. L'aigle baissait la tête, comme disait Victor Hugo. Et c'est après la bataille d'Orthez, il y a eu la bataille de Toulouse qui a été perdue définitivement par les Français. Voilà. Et bon, après il y a eu l'épisode des 100 jours et tout ça. Et un an après, la bataille de Waterloo pour mettre un point final à l'épopée de Napoléon.